La seule contrainte. Au menu des cantines scolaires mardi prochain, lavage des mains obligatoire et port du masque pour le personnel. Et au moins on est vigilant quand on porte le masque, c'est psychologique qu'on est beaucoup plus vigilant. C'est ça. Mais la distanciation physique ne sera plus la règle et les enfants pourront circuler plus librement. Le brassage des enfants va être possible. On se limitera juste, en cas de double service, à une désinfection du mobilier, le passage d'un groupe d'enfants à un autre sur un même mobilier. Seulement 13 élèves aujourd'hui dans cette cantine, un nombre qui sera multiplié par 10 dès la semaine prochaine. Le personnel a déjà été formé au protocole appliqué au printemps dernier, au plus fort de l'épidémie. On a repris le travail donc, dans d'autres conditions, avec d'autres mesures, mais on s'est adapté. Donc ça va, on est un peu plus rassurés. Après, j'appréhende, c'est vrai, s'il y a beaucoup de cas. J'appréhende quand même, mais après, non. Pour l'instant, je suis assez sereine. Les syndicats alertent malgré tout sur le risque d'exposition au virus que courent les salariés au contact des élèves. Les enfants n'auront pas de masque. Donc les agents de ces cantines vont être directement au contact des enfants qui malheureusement, il peut y avoir aussi un enfant contaminé et ils ne seront pas protégés. En cas de recrudescence du virus dans certaines zones, le protocole sanitaire pourra être renforcé.